vraiment passionnée de l'alimentation végétarienne ou végétalienne, donc végé, pour raccourcir le tout. Puis ce service-là, c'est vraiment parce que j'aime aider les gens à devenir autonomes. J'aime pas l'idée qu'on doit toujours consulter à répétition. Donc de faire une visite en épicerie, c'est ultra pratico-pratique. Je vais aider les gens à trouver les ingrédients qui peuvent remplacer la viande selon leur objectif personnel de soit, je sais pas, manger des repas avec des légumineuses une fois par semaine, soit devenir 100% végétalienne. C'est vraiment selon les objectifs de la personne. Mais en fait, les gens se posent, genre, comment je fais pour préparer le tofu? C'est quoi le tempeh? Où est-ce que je le trouve en épicerie? Les légumineuses, ça goûte à rien. Est-ce qu'il faut que je les achète en sec puis que je les fasse tremper puis que ça prenne une éternité? Donc, je pense que c'est vraiment plus le côté temps puis comment préparer les ingrédients, mais aussi en épicerie, où les trouver? Parce que c'est pas toujours évident. Les gens aussi se posent la question, puis c'est super valide de dire, bien, les substituts de viande comme les saucisses végé, par exemple, est-ce que c'est vraiment mieux parce que c'est full transformé, il y a du sodium. Donc, j'ai envie d'aider les gens à reconnaître que, ben oui, ils sont transformés. On n'a pas à manger ça à tous les jours, mais ça peut vraiment être un substitut intéressant à la viande parce que, veux, veux pas, oui, c'est riche en sodium, mais ça va toujours être moins riche en gras. Souvent, on a comme un petit kick de fibres aussi qu'on ne va pas chercher dans les produits d'animal.